Ça y est, cette fois, elle ne changera plus d'avis. Céline Dumerc a décidé de se retirer des parquets. Elle l'a fait savoir avec tout son cœur sur Twitter. Si je ne parlais qu'en écoutant mon cœur, l'amour de ce jeu me ferait continuer jusqu'à l'éternité. La gauchère d'un mètre 69, née à Tarbes, est une légende vivante du basket français. Cette fois vainqueur du championnat, cette fois vainqueur de la Coupe de France, elle a tout gagné ou presque. Une Eurocoupe aussi, un titre de championne d'Europe avec l'équipe de France et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres. Le 8 avril dernier, elle est devenue la meilleure marqueuse de l'histoire de la Ligue féminine avec plus de 4600 points inscrits en carrière. Le talent de l'infatigable meneuse, coriace et visionnaire sur le terrain, avait éclaté au grand jour à Bourges. Pierre Fossé, le président, l'avait choisi pour succéder à une certaine Yannick Souvré à l'été 2003. Céline Dumerc restera finalement 11 années à Bourges, entrecoupée d'une expérience à Ekaterinbourg et aux États-Unis. En 2016, elle quitte le Berry et retourne dans le sud-ouest pour évoluer sous les couleurs de Basketland. Et elle remporte le championnat à la grande surprise en 2021 et deux Coupes de France, dont la dernière il y a quelques semaines. Caps pourrait vivre ses tout derniers émois de basket à domicile ce week-end, contre Bourges en quart de finale du championnat de France, et jouer son tout dernier match quelques jours plus tard au Prado. Une sortie plausible avec ses deux clubs de cœur.